Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je m'appelle Pieter Tuteze Jules, enseignant d'économie générale. Nous allons aborder ce jour la leçon 6 qui porte sur l'investissement. Avant d'aborder la leçon 6, nous allons faire un petit rappel sur la leçon 5 qui portait sur le revenu et l'épargne. Au niveau des revenus et l'épargne, nous avons défini le revenu comme la contrepartie d'un travail effectué, pour dire simple. Et l'épargne était la partie du revenu qui n'était pas destinée à la consommation immédiate. Voilà ce que nous avons dit. Et nous avons calculé également la propension moyenne à épargner et la propension marginale à épargner. C'était quoi la propension moyenne à épargner? C'était le coefficient ou alors la part, c'est-à-dire on va trouver le pourcentage ou bien la fraction du revenu consacré à l'épargne. Et la propension marginale à épargner montrait donc l'influence ou bien l'implication ou alors la variation de l'épargne lorsqu'il y a éventuellement variation du revenu. Voilà en gros ce que nous avons vu à la leçon 5 qui portait sur le revenu et l'épargne. Avant donc d'entrer effectivement dans le but du sujet, c'est-à-dire la leçon 6 qui portait sur l'investissement, nous allons corriger le devoir laissé précédemment. À l'aide de vos connaissances professionnelles dans le domaine de l'économie générale, aidez ton collègue qui vous sollicite pour de l'aide, pour soutenir. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il vous a demandé d'énumérer les différents types d'épargne, de citer les modules de l'épargne et d'identifier les facteurs qui peuvent faire varier l'épargne. Puis, à partir du tableau ci-dessous, il vous a demandé de calculer les propensions moyennes à consommer, les propensions moyennes à épargner, les propensions marginales à consommer et la propension marginale à épargner. Enfin, de citer les facteurs qui dépendent du revenu d'un ménage. Voilà le travail à faire. Bien, voilà le tableau. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Nous voyons le revenu disponible, la consommation finale des ménages pour 1980 et 1981. Comme élément de réponse à ce devoir, nous commençons d'abord par définir les éléments. L'épargne volontaire est décidée délibérément. Du moins, délibérément. L'épargne volontaire, c'est l'épargne que le consommateur, du moins le ménage, décide en fonction de ses aspirations que nous ne connaissons pas, décide de mettre de côté, c'est-à-dire une partie de son revenu que le consommateur décide de mettre de côté. Ça, c'est l'épargne volontaire. Ceci se distingue de l'épargne forcée, c'est-à-dire qui est une obligation, peut-être au regard de la loi, au regard des statuts. On peut avoir, par exemple, des cotisations sociales, cotisations fiscales. Vous devez épargner, pas parce que vous voulez, mais parce que la réglementation ou le statut vous l'exige.
Là, on parle d'épargne forcée. Des mobiles, où les motifs de l'épargne sont, c'est-à-dire des éléments qui poussent à épargner, des éléments qui amènent un ménage à épargner, on peut avoir des motifs de transaction, c'est-à-dire peut-être pour l'achat de quelque chose, d'un bien de consommation, par exemple. On a des motifs de spéculation, c'est-à-dire on va épargner parce qu'on voudrait rentabiliser ça plus tard. On a des mesures de précaution. On va épargner pourquoi? Parce que l'avenir peut avoir des risques. L'avenir a des risques éventuels. Comment est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Il faut faire l'épargne. Et également, on peut avoir des motifs de placement, c'est-à-dire rentabilité financière à long ou à moyen terme. Dans le calcul des propensions, nous avons dit dans la leçon précédente que la propension marginale à consommer était une partie du revenu consacré à la consommation. Le rapport est donc consommation sur le revenu. Donc propension moyenne à consommer est égale à consommation sur le revenu. En 1980, donc, nous avons la consommation de 461 sur le revenu, 536 qui donne 0,86. Bon, en valeur relative, ça fait 86%. Ça veut dire qu'en 1980, on a consacré 86% du revenu à la consommation. En 1981, nous avons consommation de 517 milliards sur le revenu 604 milliards qui donne 0,85. Autrement dit, 85% du revenu a été consacré à la consommation de 1981. Pour les propensions moyennes à épargner, qui est également la fraction du revenu consacré à l'épargne. En 80, nous avons l'épargne qui est un résidu de la consommation. On va prendre revenu moins consommation pour trouver l'épargne. Donc nous avons en 1980 536 moins 461 qui est la consommation, divisé par 536 qui est le revenu, nous avons la propension moyenne à épargner de 0,13. En valeur relative, 13%. Donc en 1980, on a épargné 13% du revenu. En 1981, nous avons fait la même chose, le même calcul, c'est-à-dire épargne sur, sur revenu. 604 moins 517 sur 604, ça fait 0,14. Autrement dit, 14% du revenu a été consacré à la consommation. À l'épargne, pardon. Autant pour moi. Les propensions marginales à consommer et à épargner sont, nous avons dit la propension marginale montre quoi? L'influence ou bien l'impact de la consommation lorsqu'il y a variation du revenu, ou alors l'impact, ou alors la variation de l'épargne lorsqu'il y a variation du revenu. Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est son comportement lorsque le revenu varie? Nous avons la propension marginale à consommer, qui est la variation de la consommation sur la variation du revenu. Par ce petit calcul, nous trouvons 0,82. Autrement dit, 82%. C'est-à-dire, lorsque le revenu varie d'un franc, la consommation varie de 0,82 francs. Par un calcul simple, nous savons que propension marginale à consommer plus propension marginale à épargner égale 1, c'est-à-dire le revenu. On peut déduire donc la propension marginale à épargner qui devient 1 moins la propension marginale à consommer qui donne 0,18. Même interprétation, c'est-à-dire lorsque le revenu varie d'une unité, l'épargne varie de 0,18 unités. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la propension marginale à consommer et à épargner. Bien, chers apprenants, nous entrons donc dans le but du sujet, la leçon du jour qui porte sur l'investissement. Pour donc comprendre cette leçon, on va suivre le plan suivant.
D'abord, les objectifs de la leçon, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir, l'objectif, c'est-à-dire la compétence à acquérir à la fin de la leçon. Des prérequis, ensemble des connaissances préalables. Une situation problème qui nous permet d'avoir un problème à résoudre, c'est-à-dire face à une difficulté. L'activité d'apprentissage, le savoir à acquérir. L'exercice d'application qui nous permet de bien comprendre la leçon, de l'assimiler la leçon du jour. Et un devoir qui permet de consolider notre leçon. Au premier point, à la fin de la leçon, l'apprenant doit être capable de définir la notion d'investissement, de présenter les types ou les formes d'investissement, d'énumérer les sources de financement de l'investissement. Voilà l'objectif qu'on se fixe et qu'on doit être capable de manifester ou bien d'exprimer à la fin de la leçon. Comme objectif toujours, à la suite de ce que nous avons dit, on peut également présenter les déterminants de l'investissement, c'est-à-dire les facteurs qui influencent l'investissement. On peut également expliquer et calculer le multiplicateur d'investissement. Prérequis, ensemble des connaissances préalables, définition naturelle de la science économique, les notions de production et de consommation, les notions d'épargne et de revenus que nous avons vues dans la leçon précédente. Situation de problème. Monsieur Adamo est propriétaire d'une scierie dans la région de l'Est. Pour améliorer la capacité de production de son usine, sa banque lui accorde un prêt lui permettant d'acheter une nouvelle tronçonneuse qui débite 500 planches par heure au prix de 5 millions de francs CFA. Quelle est la tâche pour la difficulté? Il nous a demandé de définir la notion d'investissement, de présenter les types et les formes d'investissement, d'énumérer les sources de financement de l'investissement. Pour donc répondre à ces questions, nous allons passer par les activités d'apprentissage, c'est-à-dire de savoir acquérir. Qu'est-ce que l'investissement? L'investissement vient du verbe investir, nom masculin, action d'investir une place, un lieu. Emploi des capitaux visant à accroître la production. Voilà l'ensemble des éléments qui renvoient au thème investissement. Selon le dictionnaire Larousse, dépense destinée à augmenter la richesse ou de la personne qui l'engage. Vous comprenez? L'investissement, selon le dictionnaire, est une dépense qui est destinée à l'augmentation de la richesse de la personne qui l'engage. Donc, investir est dans le but d'accroissement, d'accroître sa richesse ou alors d'avoir des revenus ultérieurs. C'est également un acte qui consiste à acquérir des biens de production. Supposons une entreprise qui va acheter des outils de production, c'est-à-dire le matériel, haute définition, c'est pour faire quoi? C'est pour accroître sa production, c'est pour avoir davantage de revenus ou de bénéfices. Donc, c'est pour augmenter sa richesse. Selon Larousse, c'est une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage. Nous avons dit tout à l'heure, la dépense immédiatement ayant pour but d'obtenir un effet positif quantifiable. C'est-à-dire, investir, c'est une dépense immédiate. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais est-ce que le revenu ou bien le retour sur cet investissement se fera aujourd'hui? Non. Le retour sur investissement s'observera sur une longue période. Larousse dit, ce retour sur investissement doit être comment? Positif et quantifiable. De manière synthétique, l'investissement, c'est l'acquisition des biens de production en vue de l'exploitation d'une entreprise, encore appelée formation ou du capital fixe. Donc, de manière générale, investir, c'est l'acquisition des biens de production, c'est l'acquisition des biens, d'équipements
dont l'objectif, c'est de, d'améliorer les conditions d'exploitation en vue de faire quoi? D'obtenir des retours conséquents. Alors, donc, d'accroître son niveau d'activité ou bien sa productivité. Bien, l'investissement égal à la formation du capital fixe, c'est-à-dire ça permet d'augmenter la capacité financière de l'entreprise. Ça permet d'augmenter, puisque l'accroissement de la production égale à la capacité, l'augmentation du capital de l'entreprise, c'est-à-dire le capital ici est présenté sous forme de quoi? Une garantie pour les actionnaires ou bien pour les partenaires de l'entreprise. Lorsque l'entreprise investit davantage, ça fait accroître la garantie des partenaires de l'entreprise. En grand 2, nous allons voir les types d'investissement. L'investissement peut être matériel, comme l'investissement peut être immatériel. Dans l'investissement matériel, nous avons les investissements de capacité. Vous comprenez donc ici? On va investir parce qu'on voudrait accroître sa capacité. Ça peut être sa capacité de production. Supposons, nous avons un petit magasin et puis on va acheter un grand magasin. Là, c'est un investissement qui permet d'accroître quoi? La capacité de stockage, par exemple, une entreprise commerciale. Nous avons les investissements de productivité. À ce niveau, vous devez faire comment? Acquérir des outils de production plus sophistiqués, des outils de production de pointe. Du moins, vous avez acquéri des éléments de la nouvelle technologie pour ne pas être en retard sur le marché. On peut également avoir des investissements de remplacement. Ici, il suffit tout simplement de remplacer l'outil existant de production. C'est-à-dire, un matériel est déjà épuisé, amorti, il est nécessaire pour l'entreprise de renouveler. Par peut-être des mécanismes d'amortissement, par exemple. On doit renouveler le parc automobile, on doit renouveler la machine industrielle, on doit renouveler peut-être le bâtiment. Voilà des investissements matériels de remplacement. Du moins, ce investissement n'a pas pour but d'accroître automatiquement la production de l'entreprise, mais de garder le niveau de production de l'entreprise. Là, on parle d'investissement de remplacement. Les investissements immatériels. Nous avons par exemple les dépenses de formation. La formation du personnel est un investissement. Pourquoi? Parce que l'entreprise doit avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement de la formation, c'est quoi? C'est la qualité de la production. C'est l'accroissement de la production. Du moins, c'est la quantité et la qualité de la production. Nous avons les dépenses sur la recherche et le développement. Les dépenses sur les logiciels et également les achats de brevets et de licences. Voilà des investissements immatériels, c'est-à-dire ça ne permet pas d'acheter un bien palpable ou alors tangible. En grand 3, on parle du financement de l'investissement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va financer l'investissement. On peut avoir le financement par les moyens internes ou bien les moyens externes. Commençons par les moyens internes. Nous avons par exemple l'autofinancement. L'entreprise utilise ses propres ressources pour investir. Il dépend des bénéfices, des provisions, des amortissements. Ce qui constitue l'autofinancement de l'entreprise, c'est-à-dire des réserves. L'entreprise, chaque année, à la répartition du bénéfice, va constituer une partie de ses bénéfices en réserve. C'est pour faire quoi? C'est pour investir, c'est pour augmenter sa capacité ou alors son fonds de roulement. Parce que quand l'entreprise a un bon fonds de roulement, ça permet de fonctionner sans inquiétude. Et puis, l'entreprise peut s'adapter à la nouvelle technologie à tout moment parce qu'elle a les moyens. Donc, le financement par les moyens externes. On peut avoir un financement direct, on peut avoir un financement indirect, c'est-à-dire on peut avoir des emprunts, on peut avoir des techniques de leasing, c'est-à-dire de contrats location-achat, mais location-vente. On peut appeler le crédit bail. Voilà des éléments que nous pouvons avoir, les techniques qui vous permettent de financer l'investissement. Grand 4, nous allons analyser les facteurs qui déterminent l'investissement.
Premièrement, on a les facteurs réels. C'est-à-dire, pour investir, l'entreprise doit analyser qu'est-ce qui pousse l'entreprise à investir. Qu'est-ce qui va amener l'entreprise à investir? Nous avons le coût relatif aux facteurs de production. Est-ce que le coût du bien, d'équipement ou bien de production est moins cher et plus productif? Est-ce que le coût est relativement profitable pour l'entreprise? Ça, c'est un élément. On a la demande à anticiper. L'entreprise doit anticiper sur la demande du marché. Rappelez-vous, l'objectif de l'entreprise, c'est la recherche et freiner du profit. Et l'entreprise doit anticiper pour garder peut-être, pour la recherche du leadership sur le marché, doit vendre davantage. Et pour vendre davantage, il faut anticiper sur la demande. Parce que l'entreprise aussi a pour rôle de susciter la demande auprès des consommateurs, donc stimuler la demande. Et quand vous stimulez la demande, vous devez donc anticiper pour que, au moment venu, qu'on ne demande pas et que le stock soit insuffisant. Donc l'entreprise doit anticiper sur le consommateur. Et pour anticiper sur le consommateur, on doit avoir des biens d'équipement ou les biens de production qu'il faut. Donc l'entreprise peut faire l'acquisition tout simplement pour anticiper sur la demande. Également, ça dépend aussi du produit. Le marché peut être croissant. Sur un marché croissant, il est important pour l'entreprise d'anticiper sur la demande. On peut également avoir l'élément de profitabilité. On va investir sur un outil parce que l'outil est plus profitable ou plus rentable que l'outil actuel. Voilà quelques éléments réels qui permettent ou qui influencent l'investissement ou qui amènent l'entreprise à investir. Bon, les facteurs financiers, le taux d'intérêt, la rentabilité financière. On va investir, l'entreprise est en mesure d'investir et se pose le problème. Où est-ce que je dois investir? Est-ce que le taux d'intérêt est excitant? Est-ce que la rentabilité financière d'une entreprise est motivante? L'entreprise doit donc faire ce petit calcul ou alors faire ce choix entre le taux d'intérêt et la rentabilité financière pour voir où est-ce qu'il faut rentabiliser davantage son capital. Nous allons voir ici en grand 4 le multiplicateur d'investissement. C'est un coefficient par lequel il faut multiplier chaque accroissement de l'investissement initial. Vous voyez en variation, là il représente l'investissement, qui permettra d'obtenir un revenu supplémentaire, variation de R. C'est-à-dire, le multiplicateur d'investissement nous permet de voir quelle sera la variation du revenu lorsqu'il y a variation de l'investissement. Formulation. Variation du revenu est égale à K, variation de l'investissement. K, c'est quoi? C'est le multiplicateur d'investissement. Donc, on peut retrouver donc ce petit K qui est égal à variation du revenu sur variation de l'investissement. Il peut encore être obtenu par la propension à épargner. Vous avez 1 sur 1 moins C. Ici, C représente la propension marginale à consommer. 1 moins C, c'est la propension marginale à épargner. Donc, le multiplicateur d'investissement est encore égal à 1 sur multiplicateur propension marginale à consommer. Ou encore, on peut dire le multiplicateur d'investissement est l'inverse de la propension marginale à épargner. Résumé, ce que nous pouvons retenir au terme de notre leçon, c'est que l'investissement était la formation du capital fixe. Et que les opérations qui consistent à augmenter la capacité de production, c'est-à-dire l'investissement, permet également d'augmenter la capacité de production. On a vu par les mécanismes d'investissement, l'acquisition des biens matériels. L'investissement également, alors investir revenait à accroître son stock de capital. On a dit tout à l'heure ici, augmenter la garantie face à ses partenaires. On va distinguer les investissements matériels des investissements immatériels. Les investissements matériels, nous avons vu les biens d'équipement, on a vu les biens d'échange, c'est-à-dire les investissements de remplacement. Dans les investissements immatériels, on a dit ici, on va investir, sauf que le matériel ou bien l'objet d'investissement ne sera pas palpable. Les facteurs qui déterminent l'investissement.
Nous avons vu la demande de la rentabilité. L'investissement était très sensible aux variations de la conjoncture économique, parce que pour investir, il faut s'assurer de la stabilité de la conjoncture économique. Nous avons également vu le multiplicateur, qui était le coefficient multiplié par variation de l'investissement, qui était égal à variation du multiplicateur d'investissement. Très bien. Au terme de la leçon, nous allons faire un petit essai d'application pour bien comprendre la leçon du jour. Nous a demandé de définir les termes et expressions ci-après, investissement, multiplicateur d'investissement. De donner deux exemples d'investissement immatériel. Dans un pays où la propension marginale à consommer est de 0,8, on décide de faire un investissement supplémentaire de 400 millions. Nous a demandé de calculer la valeur du multiplicateur d'investissement et quel sera l'effet sur le revenu. Comme élément de réponse, l'investissement sur la comptabilité nationale, c'est la formation brute du capital fixe. Il représente l'acquisition d'un capital technique, des machines qui permettent à l'entreprise ou à un pays d'accroître sa production. Le multiplicateur d'investissement, c'est l'inverse de la propension marginale à épargner. C'est un coefficient par lequel doit être multiplié chaque accroissement de l'investissement initial pour obtenir l'accroissement corrélatif du revenu. L'investissement immatériel, nous allons parler, sont les dépenses, la formation, les dépenses, la recherche et le développement, les dépenses, le logiciel et autres brevets. Il était demandé de calculer le coefficient pour le multiplicateur d'investissement. Petit k. Il est obtenu par la formule suivante. Nous avons dit petit k était égal à 1 sur la propension marginale à épargner. Or, la propension marginale à consommer est de 0,8. On peut donc déduire la propension marginale à épargner qui nous donne 0,2. Le multiplicateur d'investissement devient 10 sur 2 qui donne 5. Quel sera donc l'effet de ce multiplicateur d'investissement sur le revenu? On va en voir. K est égal à 5, variation du revenu est égale à K fois la variation de l'investissement. Nous aurons donc variation du revenu qui sera de 5 fois 400 millions qui donne 2 milliards de francs. Ça veut dire que le revenu va augmenter de 2 milliards de francs lorsque l'investissement sera augmenté. Lorsque le coefficient est de 5, du moins pour l'augmentation d'investissement de 400 millions, nous avons une variation de revenus de 2 milliards. Comme devoir, je vous ai demandé de définir les termes suivants, consommation, épargne, revenu, investissement. Établir les relations qui existent entre ces quatre grandeurs. C'est-à-dire ce que nous venons de dire. Consommation, épargne, revenu, investissement. Établir donc la relation qui existe entre ces quatre grandeurs. Chers apprenants, pour concevoir cette leçon, nous avons utilisé des références que vous voyez. Économie d'entreprise, économie générale, pardon, premier G, lexique d'économie, économie générale BTS, l'initiation économie et juridique de l'USA MC Sales. Chers apprenants, nous arrivons ainsi au thème de notre leçon qui portait sur l'investissement et la prochaine leçon portera sur la notion de marché. On a tege minga matere nyom, on a tege majang matere ndom, mane tambia ninya ne njobyayen, ngani bana matere mot, ngani la kiri watere ndom, esu kina bia dinkido, mane tambia ninya ne njobyayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike. Mane tambien niña.